il y a très longtemps, j'étais adolescente et dans mon église, il y a un dessinateur qui est venu avec ses dessins et son témoignage et il s'appelait Alain Audercet. et en fait, il parlait et on aurait trop dit que c'était le pote de Dieu. Et je me disais, mais c'est pas possible, on dirait qu'ils étaient au téléphone il y a quelques secondes, tous les deux. Et je me disais, mais c'était pas la première fois que je voyais ça, quelqu'un qui parlait de Dieu comme son ami. Et je me disais, wow, moi aussi j'aimerais trop être l'ami de Dieu, mais je trouve ça un peu bizarre parce que je disais ça, mais en fait je lui parlais pas à Dieu. Donc je me disais, maintenant je me dis, le principe de l'amitié c'est de passer du temps ensemble et aussi de pas venir vers la personne quand on en a besoin. Et moi c'est ce que je faisais, j'allais toujours vers Dieu quand j'en avais besoin. Et du coup j'ai voulu aller partir en stage chez lui parce que j'avais envie de voir un illustrateur qui bossait pour Dieu. En fait ça m'intéressait. Comme je partais pour la Suisse, c'est un endroit un peu loin de chez moi, parce que je suis au sud de la France. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire là-bas quand même? Je vais partir un mois, si ça se passe pas bien, ou je sais pas, j'allais partir vivre avec des gens que je connaissais pas. Alors j'ai prié en faisant ma valise. Bon, j'ai dit, Jésus, je te fais confiance, mais franchement, j'espère qu'on va rigoler un peu, parce que un mois sans rire, c'est long. Et en fait, j'ai pas regretté parce que pendant un mois on a vraiment bien rigolé et vraiment on a passé des moments vraiment dans la joie et autant à l'atelier qu'avec les colocs à l'appart, c'était vraiment des fous rires tout le long de la journée. Et des fois quand je voulais aider Alain, il me disait mais non, on va dans la forêt, va dans la forêt. Alors moi au bout d'un moment j'étais curieuse parce que j'avais lu les livres et j'y suis allée. Et au début c'était difficile, mais après j'ai commencé à parler à Jésus dans la forêt. Et vraiment ça a été incroyable, il y a eu des vraiment bons moments que j'ai passés avec lui. En fait dans la forêt, je me sentais portée, alors j'ai commencé à prier pour toutes les personnes que j'aime. Des fois ça pouvait être des amis, des gens de ma famille. Et c'est comme si parfois Dieu me faisait sentir, ressentir, malgré les kilomètres, ce que les personnes ressentaient des fois, la tristesse ou comme si les personnes vivaient des choses pas faciles. Je pouvais envoyer des messages d'encouragement en fait. Et en revenant chez moi, j'ai pu continuer à cultiver ça. Mais moi, j'ai pas de forêt. J'habitais au centre-ville de Bordeaux, donc c'était mon lieu de prière, c'était ma chambre. Dieu, il est partout, donc j'ai vécu vraiment une année fantastique où j'ai pu partager beaucoup de choses. Par exemple, depuis mon adolescence avec mon frère, c'était compliqué. Il y avait une mauvaise ambiance à la maison, je trouve que c'était hyper tendu et ça m'énervait parce qu'il me manquait beaucoup. Et j'arrivais pas à lui dire depuis un moment. Du coup, j'ai prié pour ça dans la forêt et là, c'est comme si Dieu me disait, écris-lui une lettre. Alors j'avais un petit papier et un stylo sur moi, j'ai commencé à écrire et c'est comme si Dieu me exprimait ce que j'avais dans mon cœur. Parce que moi je pouvais pas j'avais pas de mots pour ça, mais c'est comme si c'était une jolie dictée. Et du coup j'ai commencé à écrire et chaque mot je pleurais, dès que je me relisais je pleurais encore. Je sentais que c'était comme une guérison dans mon cœur et en rentrant en France, je lui ai donné la lettre et donc il m'a simplement remercié. Mais là, on est un an plus tard et je vois les résultats et c'est vrai que depuis cette lettre, j'ai plus senti cette tension dans la maison. Il y a comme la paix entre nous, on s'entend vraiment bien. Ça, c'est un gros miracle et c'est enfin, un petit miracle, un petit parmi tant d'autres en fait, parce que en un an, j'ai vu beaucoup de changements avec les relations. Familiale ou amicale ou à l'école. Ce que j'aime avec Jésus, c'est que en fait, on est tous appelés à être son ami. Il n'y a pas je sais pas comment expliquer. On est tous des êtres humains, donc en fin de compte, il n'y a pas des personnes choisies pour être amis de Dieu. Des fois, c'est impressionnant quand on voit quelqu'un qui a l'air proche de Jésus. On se dit wow, alors que en fait, la personne, elle a travaillé pour ça, elle a laissé du temps, elle a passé du temps avec Jésus pour
on arrivait là. Avant, comme je sortais pas de ma zone de confort et j'osais pas vraiment parler de Dieu, et bien c'est sûr que j'avais pas beaucoup de retours positifs. Mais en fait, je me suis rendu compte que ben en fait, si on le fait 100 fois, si on ose 100 fois, on a forcément des résultats. Alors que si on ose une fois, ben, si c'est pas la, on n'a pas un retour positif, ben, on a l'impression que on n'a pas été utile ou on n'a pas fait du bien à quelqu'un. Alors qu'en fait, si on se met au travail, on a toujours de bons résultats. Pour m'habituer à avoir un rendez-vous avec Jésus, au début, j'ai mis un réveil dans mon portable où j'avais écrit « Rendez-vous avec Jésus avec des confettis ». Parce que c'était une joie pour moi d'aller lui parler et de dire ok, je prends un temps, parce que si je mettais pas le réveil, je pense que j'aurais pu oublier, alors que c'est dommage d'oublier. En plus, j'avais remarqué que, en fait, Jésus, les jours où je lui parlais pas, c'est comme si j'avais un amoureux qui était chez moi, il me regardait passer et je lui dis même pas bonjour, quoi. Il y avait pas de... C'est dommage. J'étais super motivée, j'ai fait que dessiner 2 mois non-stop, alors que habituellement j'en pouvais plus du dessin. Quand j'avais plus l'école, je dessinais plus, quoi. Et là, ça avait fait naître en moi une envie de dessiner vraiment. Et du coup, j'étais tellement motivée que j'ai eu envie d'apprendre encore à dessiner. Et donc, je me suis dit, je vais retourner à l'école et tout. je vais tout défoncer. Et en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, c'est la première année où j'ai même pas demandé. Oh, j'ai passé 1 mois dans la forêt à prier, à demander la vie à Dieu sur tout, sauf sur ça. Comme je me disais, c'est cool, je n'ai même pas demandé, bon, j'y retourne ou pas. Et d'habitude, c'est ce que je faisais. Et là, si je lui avais demandé, je pense qu'il m'aurait dit non, parce que ça se sentait que j'étais plus à ma place. Et que... Mais malgré ça, j'ai vu que Dieu il s'est servi de moi comme un instrument, en fait. C'est pas parce que je me suis trompée de voix que je servais plus à rien. J'ai vu quand même des choses merveilleuses se passer, des portes s'ouvrir, ou voilà. Quand j'ai vraiment compris que c'était plus ma place, quand j'ai dit que je quittais l'école, pour beaucoup c'était quelque chose de comme triste ou négatif, comme si ça s'arrêtait là, que j'allais plus dessiner. Et en fait, pour moi, c'était plus une victoire de me dire qu'il y avait plein de belles choses qui m'attendaient derrière tout ça. Voilà, bah là, je suis venue passer des vacances ici, juste une semaine, parce que j'ai du boulot quand même. Voilà.